Bonjour à tous, les personnes déjà présentes dans la salle. Nous sommes peu nombreux. C'est surtout pendant le moment du culte que notre salle va se remplir à un tiers à peu près, par rapport à sa capacité habituelle. Et surtout, bonjour à vous, les internautes qui êtes avec nous ce matin. Et nous nous réjouissons de pouvoir étudier ensemble ce thème sur la Bible et la prophétie. Lorsque nous avons pensé à un animateur pour cette classe, rapidement c'est venu sur Benjamin. Benjamin, merci d'être avec nous. Benjamin était le responsable de l'école du sabbat ici à Collonges, jusqu'à ce qu'il nous quitte pour devenir le responsable des éditions Vie et Santé, responsable des communications au niveau de l'Union franco-belge. Et c'est vrai que Benjamin s'intéresse beaucoup aux prophéties, s'intéresse à l'étude de la Bible. Tu animes des groupes, tu as en tout cas beaucoup animé de groupes par rapport à l'étude de la Bible et à la prophétie. Et encore récemment, j'ai vu sur ton site Facebook que tu posais en gros une question. La définition du don de prophétie, c'est quoi selon vous? J'ai vu que tu as eu des discussions avec certaines personnes sur ce thème-là. Un dernier point. Benjamin a un fils de 6 mois, aujourd'hui ou à peu près. 6 mois, exactement. 6 mois aujourd'hui, et il lui a donné le nom d'un prophète, Samuel. Tout à fait. Donc voilà, donc Benjamin et la prophétie, il y a des liens, et tu nous en parleras un peu plus également tout à l'heure. Benjamin a fait des études de théologie, il a fait aussi des études d'administration et de gestion. Et vraiment, on est très heureux, je crois, toute l'église de Collonges de t'avoir avec nous ce matin. Nous avons l'habitude de commencer par la prière. Effectivement, nous pensons à vous, internautes, nous pensons à certaines personnes malades. Une sœur de notre Église qui va devoir recevoir des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie. On pense à toi, on sait que tu nous regardes. Et à travers toi, on pense à tous les malades qui sont avec nous et qui nous suivent ce matin. On pense aussi à chacune des Églises dans ce processus d'ouverture et de déconfinement. Alors Benjamin, tu étais d'accord de prier pour débuter. Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te remercier de nous réunir par tous les moyens, aujourd'hui, ce matin pour cette école du sabbat, plus tard pour le moment du culte. J'aimerais que tu puisses nous inspirer, nous diriger par la présence de ton Esprit Saint, pour que dans cette discussion, Seigneur, on puisse te rencontrer, rencontrer Jésus-Christ, et comme l'a dit Bernard, on veut te remettre toutes les personnes qui sont avec nous, qui sont avec nous physiquement, qui sont avec nous virtuellement, qui nous suivent, qui nous regardent, qui vont participer à cette discussion et qui, dans leur propre vie, ont des questions, ont peut-être des défis. Que, Seigneur, tu sois avec eux et qu'en tant que communauté, on puisse continuer à tenter de répondre à ces questions et à ces défis. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous souhaitons que cette école du sabbat soit le plus interactive possible, ce qui fait que vous pouvez poser vos questions, faire des commentaires. D'habitude, on les reçoit ici en retour. Là, on a eu un problème technique ce matin, veuillez nous excuser. Et normalement, on doit aussi les recevoir sur le téléphone, mais là aussi, j'ai un problème technique. Donc, j'inviterai peut-être les techniciens à prendre la bonne vieille méthode, s'il y a des questions, de nous apporter un papier, ça sera un peu moins professionnel. Mais on aimerait quand même que vous puissiez continuer de poser vos questions ou faire des commentaires par rapport à ce que nous abordons. Le thème donc, la Bible et la prophétie, ou la prophétie et la Bible. Il y a plusieurs éléments qui vont être abordés ce matin. La méthodologie, et pourquoi nous utilisons cette méthodologie-là, mais aussi le but de la prophétie dans la Bible. La semaine passée, on a vu que, pour certaines personnes, la notion de l'histoire, la notion de l'archéologie pouvait être un outil pour soutenir leur foi dans l'inspiration de la Bible. Et on connaît aussi que des personnes disent « Ah, moi, je crois en Dieu et à l'inspiration de la Bible grâce aux prophéties. » Jésus va un peu dans ce sens-là, et j'aime toujours revenir au texte biblique, et je vous propose de lire dans Jean chapitre d'abord 13, verset 19, Jean 13, 19. « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. » Et si on tourne la page et on va à Jean 14, verset 29, c'est la même idée, «
Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Alors, Jésus ne dit pas ces paroles dans le contexte de la prophétie biblique, mais il y a cette notion-là, quelque chose est dit, quelque chose se réalise, et la foi est augmentée. Le questionnaire dit que jusqu'à 30% de la Bible peut être considérée comme prophétique. Alors, je voulais te poser ton avis là-dessus, Benjamin. D'abord, est-ce qu'on parle de toutes les prophéties? Et ensuite, de ton expérience, est-ce qu'il y a un lien entre la prophétie et la foi? Oui, alors tu le disais effectivement au début. J'avais posé cette question, pour vous, c'est quoi le don de prophétie? Et c'est vrai que souvent, quand la définition classique, on va dire populaire de ce qu'est une prophétie, on va dire prophétie, c'est annoncer l'avenir. Alors la Bible, elle donne une définition beaucoup plus large de la prophétie. Si on prend 1 Corinthiens 14, verset 25, Paul dit que la prophétie, le don de prophétie, c'est la capacité de révéler le secret des cœurs. Mm-hmm. Alors c'est assez large, mais il y a cette notion de révélation, de faire connaître quelque chose qui est peut-être caché, qui est inconnu, et de le mettre à jour. Alors ça peut être des choses du futur, et là, quelque part, j'ai envie de dire, on révèle les secrets de l'humanité tout entière lorsqu'on annonce mm-hmm. des royaumes qui vont venir, des guerres ou des choses comme ça. Mais ça peut être des secrets présents. On pense à la Samaritaine, à qui Jésus dit, effectivement, mm-hmm. Tu as eu 5 maris, maintenant la personne avec qui tu es n'est pas ton mari. Et la Samaritaine lui répond, je vois que tu es prophète. Jésus n'a pas révélé l'avenir de la Samaritaine, mais son présent. Et puis, il y a aussi peut-être des révélations sur le passé, de mieux comprendre les événements qui ont eu lieu dans le passé, en leur donnant une nouvelle couleur, une nouvelle compréhension. Donc, il y a une notion de révélation de quelque chose qui est mis à jour. Donc ça, on pourrait dire, c'est la définition de la prophétie, révéler les secrets des cœurs, de l'humanité, les secrets de quelque chose. La prophétie qui va nous intéresser dans cette discussion va être plutôt ce qu'on va appeler la prophétie prédictive, la prophétie prospective, c'est-à-dire les choses qui eschatologiques, les choses de la fin qui vont venir ou qui sont annoncées d'avance. Et dans Ésaïe, pour compléter les versets que tu cites, dans Ésaïe, il est dit, Dieu dit, « Amenez-moi vos dieux, lequel d'entre eux a pu prédire les choses à l'avance ?» Mm-hmm. Donc Dieu, même dans Ésaïe, se définit comme Dieu parce qu'il est en mesure d'annoncer les choses à l'avance. Donc j'ai envie de répondre, ben oui, clairement, en tout cas, la Bible fait clairement un lien entre l'annonce à l'avance de certains événements, ce qu'on va appeler la prophétie, et la révélation de Dieu lui-même, de rencontrer Dieu lui-même, parce qu'il mm-hmm. se dit « Je suis Dieu parce que je suis capable de faire cette chose-là ». Et moi, j'ai envie de dire, effectivement, si on est capable d'annoncer à quelqu'un son avenir, il va se dire « Waouh, il y a quelque chose avec lui, il y a quelque chose avec cette personne ». Et du coup, mm-hmm. Dieu se définit aussi comme ça, en disant « Vous voyez bien que je suis Dieu, puisque je suis capable de faire ça ». Donc oui, moi, j'ai envie de dire, il y a clairement un lien entre la foi, la confiance en Dieu, la relation avec Dieu et la capacité de ce même Dieu d'annoncer des choses à l'avenir. Et c'est vrai pour les différents types de prophéties, parce que comme tu disais, la femme samaritaine, eh bien, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Exactement. Donc ça, c'est pour ce type de prophétie qui est un message plus personnel, mais aussi pour les prophéties de type eschatologique ou apocalyptique. Enfin, je ne suis pas théologien, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui annoncent des choses qui vont se produire. Et si je peux rajouter un petit point personnel, moi par exemple, ça a été très important dans mon parcours spirituel personnel, l'interprétation, la compréhension des prophéties. Tu disais que j'aime beaucoup les prophéties, j'enseigne un peu, j'étudie beaucoup. C'est vrai parce que ça a joué dans mon parcours personnel d'un jeune homme plutôt athée, ou disons agnostique, de découvrir ce Dieu qui est capable de s'inscrire dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, à travers les prophéties, en disant, voilà, tels et tels événements, c'est moi qui étais présent, il y avait ma main derrière. En lisant ces choses-là, je me suis dit, waouh, mais Dieu est vivant. Hein, on aime bien, Dieu est là, mais Dieu, il est où? Ben, dans la réalisation des prophéties dans l'histoire, j'ai vu un Dieu vivant, un Dieu qui était encore là, qui rentrait encore en communication avec l'humanité. Donc pour moi, ça a joué un rôle important, et ça a occupé pas mal de mon temps, d'essayer de comprendre justement, mais où est-ce qu'on peut voir la main de Dieu dans l'histoire en étudiant les prophéties de la Bible? Et donc, tu as commencé par quelle prophétie, finalement? Ça m'intéresse de voir un peu, alors, pour quelqu'un qui nous-mêmes nous écouterait et puis qui n'a pas encore une grande connaissance par rapport aux prophéties bibliques, par quoi commencer? Comment commencer? Pour moi, la plus grande et la plus intéressante des prophéties, c'est Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, d'abord parce qu'elle nous révèle Jésus-Christ. Donc, la prophétie des 70 semaines. Exactement, la prophétie des 70 semaines.
Je pense qu'elle est une des plus simples pour comprendre, peut-être on en parlera plus tard, les différentes méthodes, on va dire, d'interprétation de la Bible. Elle va donner raison aussi à la méthode que l'Église adventiste a vraiment choisi, principe jour-année, historiciste et tout ça, parce que, en gros, si on est chrétien, on est presque obligé d'être d'accord avec ces méthodes-là. Sinon, Daniel 9, qui nous parle du Messie, devient incompréhensible et obsolète. Donc, Daniel 9, ça parle de Jésus, ça valide les méthodes. Et puis, c'est le point de départ de plein d'autres prophéties, comme celle de Daniel 8, les 2300 soirs et matins. Donc, en commençant avec cette prophétie, en découvrant l'étude de la prophétie avec celle-ci, déjà, on rencontre notre Sauveur. Et ensuite, ça ouvre la porte à tout un tas d'autres prophéties. Ok, super. Donc, c'est la première fois que j'entends Daniel 2 en premier. Je dis aux techniciens qu'on a de l'écho. Peut-être que vous ne l'entendez pas dans votre casque. Il y a donc différentes façons, et c'est quand même le gros morceau de l'étude de notre questionnaire, c'est quelles sont les méthodologies possibles pour aborder la prophétie biblique. Et on nous parle bien sûr de méthode historiciste. Alors moi, je n'y connaissais rien. Moi, j'ai découvert des mots un peu compliqués. Historiciste, prétériste, futuriste. Et tu m'avais dit idéologique. Alors, différentes approches. Et on verra les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette approche historiciste? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques, des versets bibliques qui nous montrent de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc effectivement, alors c'est vraiment une construction humaine hein, de découper, de mettre ces étiquettes sur les prophéties, mais en gros, quand un théologien, quand quelqu'un s'aventure à pouvoir interpréter une prophétie dans la Bible, il va avoir, disons, une orientation. Et on en définit quatre, hein, il pourrait peut-être y en avoir plus, mais moi j'en connais quatre. C'est celle qui est historiciste, je vais y revenir tout de suite. Celle qui est prétériste, le principe de l'interprétation prétériste, c'est de dire, en gros, tout s'est réalisé ou était déjà réalisé à l'époque où la prophétie a été énoncée. Par exemple, si on prend Apocalypse, chapitre 2 et 3, on nous parle de sept églises. L'interprétation prétériste va dire que ce sont les sept églises qui existaient à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse. Thyatire, Laodicée, c'était des villes qui étaient à ce moment-là. Donc, on ne va pas plus loin dans l'interprétation prétériste que ces villes-là, que ces églises-là, et voilà, c'est Jean avec des figures et des symboles n'a fait que décrire ce qu'il y avait sur place. Et ça pousse par exemple à dire, voilà, la bête d'Apocalypse 13, c'était Néron, parce que c'était l'empereur de cette époque qui effectivement a assez quand même persécuté les chrétiens et tout ça. Donc ça c'est prétériste, pourquoi ? Parce qu'on met tout dans le passé, tout est réalisé au moment où la prophétie a été énoncée. Futuriste, c'est l'inverse, c'est on va tout mettre dans le futur. Alors, c'est pas parce qu'on interprète une prophétie avec sa réalisation future qu'elle est futuriste. L'interprétation futuriste va dire en fait que toutes les prophéties, ce qu'on appelle les prophéties apocalyptiques, toutes les prophéties vont se réaliser dans un futur et dans un temps très court. C'est-à-dire tout ce qu'on nous parle dans les prophéties de Daniel et Apocalypse ne concerne qu'un événement. Mm-hmm. Je résume un petit peu, je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Et c'est ça qu'on va appeler une prophétie futuriste. Enfin, une interprétation de la prophétie plutôt futuriste, de tout repousser au futur. Donc, prétériste tout le passé, futuriste tout le futur. Entre deux, il y a une espèce d'orientation qu'on va dire allégorique, idéaliste. L'idée de dire, c'est que en fait, la prophétie n'a pas de réalisation dans l'histoire, c'est pas un événement précis ou particulier, c'est des enseignements généraux qu'on peut appliquer à nous-mêmes, à une nation, à l'humanité tout entière, à telle époque ou encore à une autre époque. Quand la prophétie est sortie, elle est une révélation générale, mais elle n'est pas une révélation d'un événement particulier. La quatrième, qui est celle à laquelle moi personnellement j'adhère, à laquelle notre Église a décidé d'adhérer, c'est l'interprétation dite historiciste. Le principe de base, c'est de dire que Dieu se révèle dans l'histoire, et donc lorsqu'il a d'avance annoncé des événements à venir, il avait en tête, j'ai envie de dire, un événement précis qui allait se réaliser dans l'histoire. Ça peut être dans notre passé à nous, ça peut être dans notre futur à nous, mais il n'est pas concentré ni dans l'un ni dans l'autre. Il est étalé dans l'histoire. On prend souvent comme exemple Daniel 2. Est-ce qu'on peut peut-être lire ? Tout à fait. Alors, je pense que beaucoup de nos internautes connaissent bien Daniel 2, mais peut-être pas tous. Et c'est pour cela que je pense que ça a du sens de revenir au texte, à Daniel 2. On ne va pas lire, bien sûr, tout le chapitre. J'ai sélectionné quelques versets qui vont dans ce sens-là. Je proposerais qu'on lise déjà le verset 29, le verset 28. « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères
et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et puis, on peut prendre aussi les versets 38 et 40. Hein, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. Et puis aussi, lire le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Effectivement, on a cette expression « dans la suite des temps » qui justement nous engage dans une forme de chronologie de l'histoire. Et puis, « dans le temps de ces rois » qui nous dit bien que ça renvoie vraiment à une réalité terrestre, à une réalité historique dans l'interprétation de la prophétie. Et là, dans cette prophétie-là de Daniel 2, il apparaît clairement qu'au moment où la prophétie est énoncée, il y a bien une partie de la prophétie qui s'accomplit, puisqu'on nous parle de tuer cette tête d'or, Nebuchadnezzar. Toi, Babylone représente déjà ce premier royaume. Mais il y a une suite de royaumes qui vont se succéder. Et si on compare Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, on va retrouver le même nombre de sections, le même nombre de royaumes qui se succèdent. Et Daniel 8 va nous dire, voilà, tel royaume c'est les Grecs, tel royaume c'est les Mèdes. Et donc on se rend compte de l'histoire qui avance, et donc la prophétie nous révèle une histoire qui avance. Elle ne se contente pas d'un événement posé à un endroit, soit dans le passé, soit dans notre futur, mais vraiment d'une chronologie qui part de quand le prophète reçoit et énonce la prophétie jusqu'à potentiellement peut-être le retour de Jésus ou un événement dans le futur. Mais le principe historiciste décline la réalisation de la prophétie tout au long de l'histoire et pas juste ni dans le passé ni tout dans le futur. Ok, donc ça veut dire que lorsqu'on lit avec cette approche-là, on s'intéresse à quel est le point de départ. Exactement. Et c'est souvent quand le prophète parle, et puis quel est le point d'arrivée. Hein, et donc ça veut dire que là, dans Daniel 2, c'est là quand Babylone, parce que c'est là où est Daniel, et puis c'est la petite pierre et le royaume éternel de Dieu. Daniel 7, c'est un petit peu différent, parce qu'on arrive après un jugement et le règne éternel. Et puis, Daniel 8, on arrive après à les 2300 soirs et matins. Donc, il y a des points d'arrivée différents. Et puis, dans les 70 semaines, le point de départ n'est pas le prophète, là. Exactement, le point de départ, mais il le donne. Et la prophétie commence à ce moment-là. Et du coup, il y a un engagement. La prophétie nous engage à rechercher en disant, OK, on nous donne un événement historique, l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Bon, il faut le retrouver dans l'histoire, dans la Bible, où est-ce qu'on a. Et du coup, on s'engage à dire, OK, ensuite, on a 70 semaines, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les symboles qui sont énoncés? Et en fait, la prophétie historiciste, j'ai envie de dire, la prophétie futuriste, de temps en temps, elle dit, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas, je renvoie ça à l'avenir, on verra quand ça arrive. La prophétie prétérise, c'est l'inverse. De toute façon, tout s'est réalisé. Pourquoi je m'y intéresserais? Du coup, si 30% de la Bible est prophétique, voire prédictive, on dit, mais 30% de la Bible n'a rien à faire avec moi aujourd'hui. Au contraire, dans cette approche historiciste, c'est non. Tu peux t'engager dans une enquête, quelque part, pour essayer de comprendre la prophétie, afin de déterminer où on en est. Sur le curseur de l'histoire, sur cette chronologie, qu'est-ce qui est déjà passé comme événement? Qu'est-ce qui sont les événements que peut-être moi je vais vivre? Et quels sont les événements qui sont encore à venir? Et du coup, ça engage le croyant dans cette étude approfondie de la Bible, dans son histoire à lui. Et c'est en ça où l'interprétation historiciste me paraît intéressante. On peut prendre un autre exemple que Daniel 2, qui est celui de Matthieu 24. Chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus fait la même chose que Daniel. D'ailleurs, il fait référence à Daniel, hein, Jésus. Ouais. Sous-entendu que ce que Daniel a dit devait se réaliser par rapport à ce que Jésus vivait les disciples. Ouais. Donc Jésus était historiciste, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Jésus aussi, il dit aux disciples, il dit, lorsque vous verrez telle chose, puis lorsque vous verrez telle chose, puis lorsque telle chose arrivera, puis ensuite il y aura telle chose. Donc il part des disciples qui vont vivre la destruction de Jérusalem et il va donner des jalons comme ça dans l'histoire pour qu'on puisse suivre où est-ce qu'on en est dans le déroulement de la chronologie. Ça, c'est l'interprétation historiciste. Ok, donc c'est vrai que je n'avais pas réalisé combien ça change notre rapport à la prophétie d'avoir cette approche historiciste. Je l'avais vécu, parce que lorsqu'on lit les interprétations avec Antiochus, Épiphane, par rapport... on passe vite parce qu'on ne connaît pas et ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'est que de l'histoire. Ça peut intéresser que les personnes qui s'intéressent à l'histoire ancienne. Ouais. Alors, est-ce que dans l'Apocalypse, on a un peu ces mêmes principes de l'approche historiciste avec un point de départ, avec une arrivée?
comment ça apparaît dans l'Apocalypse ? Ouais. Alors j'en profite pour dire une chose, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est historiciste qu'on est tous d'accord. Ça, c'est un élément important. Même si sur les prophéties de Daniel, la plupart des gens sont assez quand même convaincus et d'accord de l'ordre des royaumes. On pourrait dire ça, peut-être sur la fin, on diverge. Sur l'Apocalypse, c'est quand même déjà un petit peu plus compliqué parce que c'est, on va dire, c'est moins. La succession est moins régulière et moins classique que ce qu'on va trouver chez Daniel. Du coup, ça ouvre à plusieurs historicismes. Je le répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on projette une prophétie dans le futur qu'on est futuriste. Dans l'interprétation adventiste classique, la moitié des chapitres de l'Apocalypse sont des événements que l'on considère qui arriveront dans le futur. Apocalypse 14, la moitié du chapitre 14, c'est pour le futur. Chapitre 11, c'est pour le futur. Les chapitres 15 et 16, qui sont les plaies, c'est dans le futur. 18, 19, 20, 21, c'est dans le futur. Donc, c'est pas parce qu'on repousse un événement dans le futur qu'on est futuriste. C'est juste qu'on considère qu'effectivement, on va chercher dans l'ensemble de l'Apocalypse quelles sont les prophéties qui peut-être se répondent les unes les autres, donc on va trouver des parallèles. Quelles sont les prophéties, quand elles se répondent, nous donnent des indications sur des durées. Tu citais tout à l'heure les 2300 soirées et matins dans Daniel, et ben dans l'Apocalypse, on va trouver les 3 temps et demi, les 1260. Donc on va dire, ok, il y a des parallèles, quand est-ce qu'on les fait commencer ? L'Apocalypse va nous donner des indications, et on va donc pouvoir mettre en œuvre cette même méthodologie qu'on avait dans Daniel, trouver des points de départ, trouver les événements qui succèdent, et l'arrivée, l'arrivée, il n'y a pas de mystère, hein, spoiler total, c'est le retour de Jésus. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, pointe vraiment vers cette personne de Jésus qui intervient dans l'histoire, mais qui revient aussi. Merci. J'informe les internautes qui nous ont rejoints. Hein. Je vois que vous êtes 500 actuellement. Par rapport au fait que nous avons un problème technique, donc pour les questions, je suis obligé de regarder sur le petit téléphone. Et merci de les mettre en lettres majuscules, comme je vois que Roland l'a fait. Merci Roland de ton intervention. Peut-on encore avoir le don de prophétie de nos jours ? Alors, c'est pas le sujet de la leçon, mais moi, ma réponse est clairement oui. En tout cas, si on lit Paul, Paul dit qu'on doit rechercher le don de prophétie. C'est-à-dire, il dit vraiment qu'on doit... le mot qu'il utilise en grec, c'est « zéloo », qui a donné le mot en français « zèle ». Si on croise quelqu'un dans la rue et qu'on dit « Ah, lui, il est zélé pour une cause », on considère qu'il donne toute sa vie pour cette cause. Paul nous dit « Soyez zélés pour le don de prophétie ». Donc, il nous invite à donner toute notre vie pour le don de prophétie. Donc ma réponse, elle est oui. Il faudrait développer, hein, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, pour ce qui est du don de prophétie, comme on l'a défini au début, cette capacité de révéler le secret des cœurs, oui, clairement, Dieu invite à ce que beaucoup de gens vivent le don de prophétie. Merci. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et de les mettre en lettres majuscules comme ça. Ah oui, j'en vois d'ailleurs Albert, qui vient d'envoyer une autre question. Alors là aussi, on n'est pas tout à fait dans ce dont on a parlé, mais je crois que c'est toujours intéressant parce que c'est en lien quand même avec la prophétie. Trouvera-t-on l'Arche de l'Alliance ? Tu ne t'attendais pas à ces questions-là, mais je trouve important d'avoir cette interaction. Hein ? Trouvera-t-on l'Arche de l'Alliance par rapport à la prophétie ? Ça, c'est, je sais en tout cas, je pense, il faudrait discuter avec cette personne, que c'est lié à une annonce qu'Ellen White avait faite en disant que justement à la toute fin, l'Arche de l'Alliance serait retrouvée. Et puis il y a toute une polémique aussi dans le milieu adventiste par rapport à un archéologue autodidacte qui dirait avoir retrouvé l'Arche de l'Alliance sous une colline à Jérusalem et tout. Donc je sais que c'est une discussion. Moi personnellement, j'ai pas d'avis sur la question. Si on la retrouve, ben tant mieux, ce sera une preuve. Mais peut-être là, ça renvoie plutôt à la leçon de la semaine dernière qui disait est-ce qu'on a encore besoin de preuves archéologiques pour la foi ou est-ce que les preuves archéologiques viennent confirmer une croyance qu'on a déjà. L'Arche de l'Alliance, si elle est retrouvée, elle servira surtout à dire « Ah oui, yes, ouf, j'avais bien raison », plutôt que « Ah, bah maintenant que je vois l'Arche de l'Alliance, je vais croire ». Ça, c'est un avis personnel. Mais, ok, donc ça ne va pas être l'origine de la foi. On dit bien que c'est voilà. Jésus l'auteur de la foi, mais pour confirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est par rapport à la question de la prophétie. Ellen White a fait une prophétie dans ce sens-là en disant « On devrait retrouver l'Arche de l'Alliance ». Ok, merci. Et je vois une troisième question, et après on passera à un autre sujet. Fabien, la difficulté d'une lecture historiciste des Églises, de l'Apocalypse, réside dans le fait qu'elle correspond à une réalité occidentale, mais pas orientale. Donc c'est un commentaire de Fabien. Tu aurais un commentaire là-dessus ? Faudrait amener les arguments pour voir, pourquoi pas, je veux bien entendre la chose. Après, si on regarde... Je le disais tout à l'heure,
c'est pas parce qu'on est historiciste qu'on a tous le même historicisme. Mmh. Il y a des interprétations historicistes. Historiciste, c'est une orientation. Donc on peut lui donner une couleur occidentale, on peut lui donner une couleur orientale, on peut lui donner une couleur chinoise, on peut lui donner ce qu'on veut. Ce que je pense veut dire cette personne, c'est que c'est vrai que quand on interprète la prophétie dans les églises chrétiennes, ce qui va se retrouver au centre va rapidement être des questions européennes, j'ai envie de dire, par exemple, tout ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge, mmh. alors que la Chine était un... L'empire chinois, les empires chinois étaient très vivants aussi à cette époque-là. Il y avait le bouddhisme qui était une religion très forte, il y a l'hindouisme en Inde qui était au moins aussi vieux que le judaïsme, enfin... Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je sais que c'est une critique qu'on fait souvent à nos interprétations en disant « Mais pourquoi le centre du monde, d'un coup, c'est Paris quoi ?» Parce que, je pense que c'est une question à laquelle il est important de répondre et à laquelle je pense ne pas avoir une réponse. Ce que j'ai envie de dire, j'aurais envie de dire, de donner cet exemple-là, pourquoi Jésus a choisi de débarquer à Jérusalem ? Et il est arrivé à Jérusalem, il n'est pas arrivé à Pékin, il n'est pas arrivé ailleurs, quoi. S'il te plaît, pas Pékin. Mais... au bout d'un moment, Dieu a choisi que l'histoire allait se concentrer dans le bassin méditerranéen. Donc, malheureusement, la prophétie, c'est aussi dans les images qu'elle utilise et dans les réalisations, c'est concentré sur le bassin méditerranéen. C'est peut-être un choix idéologique, ce que pourrait laisser entendre cette personne. Mais j'ai envie de dire aussi, au bout d'un moment, Dieu a fait des choix idéologiques en choisissant des lieux dans lesquels il allait intervenir. Et donc, c'est dans cette histoire-là qu'il est intervenu. Il a décidé de ne pas intervenir dans la partie asiatique du monde, mais dans la partie plutôt bassin méditerranéen. Merci. Merci en tout cas pour vos commentaires. Encore un commentaire. Est-ce qu'on est obligé d'étudier les prophéties pour faire partie du plan du salut ? Alors, réponse claire, non. Je pense qu'on y gagne énormément. Et encore une fois, moi, je peux dire non parce que dans mon témoignage personnel, je peux dire que ça a énormément joué. Mais il n'y a pas de condition du salut à l'étude de la prophétie. Quand on va arriver devant le Seigneur le jour du jugement, il ne nous dira pas « Est-ce que tu as bien compris Daniel 2, 7, 8 ? Fais-moi la frise de Daniel 9 et je verrai si tu peux avoir accès au ciel. » Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Ce qui peut arriver, par contre, si j'en prends la chose dans l'autre sens, c'est de dire clairement, la compréhension de la prophétie peut nous aider à ne pas se laisser tomber dans certains pièges. En voyant l'actualité qui se déroule devant nous, alors je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil. On a toute cette histoire du Covid qui est toujours en cours, mais qui a eu son petit paroxysme dans les semaines précédentes. Et d'un coup, on a vu fleurir sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet. Là, tout d'un coup, le Covid était partout dans la Bible. On a l'impression que toutes les prophéties parlaient du Covid-19. Moi, j'ai envie de dire, dans 6 mois, peut-être on n'en parlera plus, ou pas de la même manière. Et il y a aussi ce côté-là, c'est qu'on a tendance à regarder la télé et aller chercher dans la Bible si ce qu'il y avait à la télé se retrouve dans la Bible. La méthode, c'est pas ça, normalement. Et du coup, j'ai envie de dire, il faut... Une étude diligente de la prophétie nous permet aussi de ne pas se laisser, normalement, de ne pas se laisser à tout vent de nouvelles de l'actualité. Je vais donner un exemple. Ça aurait pu être intéressant que je l'amène, mais dans les années 40, la revue Sign of the Times, si je ne dis pas de bêtises, la revue Sign of the Times, donc la revue adventiste américaine, a publié une couverture sur laquelle on voyait la statue de Daniel et les chars allemands. Et le titre de la revue, c'était « Pourquoi Hitler ne gagnera pas ?» On est au début 1940. On est au début du conflit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça ? Parce que pour eux, ces adventistes-là qui ont sorti cette revue, en lisant la prophétie, ils ont dit « il n'y a pas Hitler ». Il fallait être culotté pour dire ça à ce moment-là. Mais il y a aussi ça dans la prophétie, c'est ne pas se laisser balader par l'actualité, par les choses. Je prends un deuxième exemple. L'église adventiste a très tôt reconnu, dans la deuxième bête d'Apocalypse 13, cette bête avec les cornes semblables à celles d'un agneau, une Amérique protestante. Alors, en gros, le message était l'Amérique va devenir première puissance mondiale et va jouer un rôle à la fois politique, mais aussi religieux. Aujourd'hui, quand on regarde la télé avec les élections américaines, on se dit, c'est facile de dire ça. Mais au moment où ils ont dit ça, on était juste avant la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Les États-Unis, c'était pas du tout... C'est comme si, aujourd'hui, on disait, la Syrie, demain, c'est première puissance mondiale. Il faut être culotté pour dire ça. Mmh. Et c'est pour ça que la prophétie nous engage aussi quelque part. En étudiant la prophétie, ça demande une certaine rigueur et pas cette volatilité de dire « Ah, il se passe un truc, donc je vais le trouver dans la prophétie. » Mais de dire « Non, j'étudie la Bible pour la Bible, je rencontre mon Seigneur à travers la Bible et il va
me guider pour comprendre l'histoire qui est en train de se vivre. Mais justement, je ne vais pas me laisser balader avec ces choses-là. Jésus dit aux disciples dans Matthieu 24, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Ne vous laissez pas perturber par ces choses-là. Parce que quand vous étudiez la prophétie, ben on n'est pas perturbé par l'actualité. On comprend. Ouais, on est invité à comprendre l'actualité, mais on n'est pas perturbé par l'actualité. Donc, étudier la prophétie, ça n'amène pas le salut, ça c'est évident, je le souligne en gras. Par contre, ça, je pense, donne une force à notre foi, de l'espérance aussi, et j'ai envie de dire cette fermeté dans l'histoire qui se déroule devant nous. Merci, merci. Je trouve que c'est très, très éclairant ce que tu dis. Et alors, je vois encore d'autres questions qui viennent. Je les garde. Il y a Juana et il y a Nick qui nous envoient des questions. On va les aborder. Mais je voulais quand même qu'on avance aussi dans le texte biblique, parce qu'on est là pour étudier le texte biblique, par rapport à un des principes de cette compréhension historiciste, c'est la notion de comment interpréter les durées. Oui. Et il y a bien sûr la notion jour, année, qui est issue de